très humain. Très, très humain. Et puis, il a tout de suite, au niveau de la percussion, il a ressenti notre besoin. Donc, le besoin qu'on avait de notre situation. C'était un peu lourd parce qu'il y avait d'autres éléments qu'on a pu discuter ensemble. Oui, tout à fait. Ouais. Bon, et il a su nous aider tout simplement, quoi, parce que c'était pas forcément gagné. Et puis voilà. Et puis bon, et on a nos enfants qui nous ont bien aidés aussi. Et du reste, moi, à la promesse de vente, j'étais pas à la signature, bon, pour des raisons médicales. Donc il y a tout un contexte général qui a fait que. Ça s'est très bien passé, on s'est très bien entendu. Il a compris ce qu'on cherchait et ce qu'on voulait. Donc voilà, après, bon, ça a un peu traîné, mais bon, c'était pas forcément de sa faute, c'était le système. D'accord. Voilà, la description de la situation au global est relativement précise, mais je pense qu'il fallait être un peu précis parce que ça s'est pas fait comme ça. Et on leur remercie. Grandement. Et si vous aviez un petit message en particulier pour lui, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire ? Qui continue comme il est. Dans les sports courts, on dit on ne change pas une équipe qui gagne, mais qui continue comme ça, parce que je pense qu'on ne doit pas être les seules personnes dans ces besoins-là. Malheureusement ou heureusement, le ciel bleu qui est là, on va dire heureusement, alors on ne va pas dire malheureusement.